Ces jours de match, ou presque, les 35 degrés n'ont pas refroidi la ferveur des 2000 supporters jaunes et noirs, parfois venus de loin. Très impressionnant. Pourquoi ? Déjà la chaleur et ils sont à fond, moi j'ai chaud pour eux. On est en vacances dans la région de La Rochelle. On vient de Reims, mais j'adore le rugby, donc c'est l'occasion de voir venir un entraînement. L'entraînement, ouvert au public, c'est aussi l'occasion pour les locaux d'avoir une place en tribune. Pendant la saison, c'est plus compliqué. Franchement, je savais qu'il allait y avoir du monde, mais il y en a beaucoup quand même là. Ça représente la convivialité, le bon esprit. Donc j'aimerais bien transmettre ça à mon fils et peut-être qu'un jour il fera du rugby aussi. Voilà. Le rugby nous manque, ça fait quand même presque un mois qu'on n'a pas eu de match. Et puis je suis venu déjà vendredi dernier les voir. Et puis là, on a fait la surprise aux trois petits-enfants là, qui sont là. C'est la première fois que je vois un entraînement. Oui, c'est la première fois que je viens ici. Oui. Et alors, c'est comment ? Oh bah c'est bien, bonne ambiance et tout, ils s'entraînent, c'est bien. Ouais. On chante quoi ? Ici, c'est La Rochelle. Un bain de foule, pas des plus rafraîchissants pour les joueurs, mais une motivation supplémentaire à 3 semaines de la reprise du championnat. Oui, même si c'est pas un match, mais tout le monde sont là, dans le soleil, ils en profitent. Pour moi, c'est incroyable. Ouais, eux aussi ils viennent alors qu'on s'attaque. De toute façon, c'est comme il a dit, hein, c'est les supporters, ils sont comme ça ici, c'est incroyable. La suite pour les joueurs, c'est un stage de préparation dans les Pyrénées. Retour à domicile le 25 août face au Stade français pour les derniers réglages. Nul doute que Marcel de Flandre sera déjà bouillant.